Vous écoutez Réseau Santé, votre podcast des médecines complémentaires. Voici votre animatrice, Marie-Lise Pelletier. Bienvenue, chers auditeurs, à Réseau Santé. Aujourd'hui, en entrevue, j'aurai le privilège de m'entretenir avec Marie-Christine Vallière, herboriste et propriétaire de l'école et la boutique en ligne Les Âmes Fleurs. Sans plus tarder, Marie-Christine, merci d'être avec nous aujourd'hui. Ça fait plaisir. Pour me faire plaisir, justement, tu es de quelle région? Moi, je viens de la région de Québec, mais j'habite la région des Laurentides maintenant. Oh, fait qu'on n'est pas trop loin une de l'autre. Je suis des Laurentides, moi aussi. Tu sais, j'ai des questions pour toi. La première, j'aimerais bien savoir ton histoire, ton cheminement qui touche de près comme de loin l'herboristerie. Conte-moi ça. Oui, en fait, moi, j'ai d'abord fait des études à l'Université de Montréal en anthropologie. Et je suis tombée malade pendant mes examens. Je ne sais pas encore qu'est-ce que j'ai eu, probablement une grosse allergie, mais j'ai fait une crise d'urticaire, donc des boutons rouges et qui démangent énormément sur tout le corps pendant plusieurs semaines. Et puis, mon père, qui est aujourd'hui décédé, était médecin. On a tout essayé, les médicaments possibles et inimaginables, autant pour calmer les démangeaisons que de m'aider à dormir. Et il n'y a rien qui a fonctionné. Alors, mon père m'a dit, va voir ailleurs. Il m'a dit, Marie, je pense que tu as une limite psychologique. Tu combats les médicaments. Probablement que tu n'aimes pas ça, prendre ça. Ça ne fonctionne pas avec toi. Donc, va voir une autre sorte de médecine. C'est ce que j'ai fait. Je me suis retrouvée dans une boutique d'aliments naturels. On m'a suggéré des plantes en interne pour nettoyer mon organisme et puis des onguents en externe. Et en 3 jours, l'urticaire était parti. Donc, j'ai vraiment été super impressionnée. Puis, au même moment, j'ai une collègue et amie qui m'a offert un livre sur les plantes médicinales et qui m'a annoncé qu'elle allait étudier en herboristerie. Donc, tout allait vers ça. J'ai décidé d'aller étudier avec elle. Donc, j'ai fait mes études à Montréal, à l'Académie herboliste, en même temps que je terminais mes études à l'université en anthropologie. Donc, j'en ai profité en même temps pour prendre des cours en biologie avec les végétaux, etc. Wow. Et puis, ça n'a pas été très long que je me suis retrouvée à travailler pour l'Académie herboliste, à faire de la rédaction, de la correction. Wow. Donc, voilà, j'ai travaillé quand même assez rapidement là-dedans. Là. Dès la vingtaine, là, j'ai commencé à offrir des cours et puis quelques services en herboristerie. C'est un beau cheminement, hein? Puis je suis sûre que même, tu sais, des fois, je pense que pas d'hasard, l'anthropologie, c'est sûr que ça t'aide en plus. Tu sais, des fois, on ne se rend pas compte de ce qu'on a appris, pourquoi qu'on est là. Je trouve ça super le fun, franchement, là. Oui, puis l'anthropologie, je m'en sers encore aujourd'hui dans mes cours parce qu'on étudie l'herboristerie à travers le monde. Donc, comment est-ce que les différentes traditions, justement, peuvent nous aider à pratiquer avec les plantes médicinales? Ouais. Non, mais c'est ça, hein? C'est ça que je dis, des fois, il n'y a pas d'hasard. Puis justement, tu parles de ça. Parle-moi donc de ton école. Oui, donc l'école Les Âmes Fleurs. Moi, j'ai commencé Les Âmes Fleurs en 2009. J'ai commencé en vendant une ligne de produits de beauté pour le visage, par exemple des crèmes. Et puis, tranquillement, j'ai commencé à enseigner pour différentes écoles, différentes boutiques à Montréal. J'ai offert des cours chez moi dans ma cuisine au début. Et puis, j'ai fini par partir donc mon école en ligne. Alors maintenant, on a vraiment un site Internet pour l'école, www.écolelesenfers.com, où les gens peuvent s'inscrire directement pour accéder à des cours en ligne qui incluent des documents PDF, des audios, des vidéos. Mmh. Parfois, on offre aussi des cours en vidéoconférence. Et puis, si vous êtes dans les Laurentides, on offre, quand c'est permis, des cours en classe à Sainte-Adèle. OK. Puis, tu me dis ça justement à Sainte-Adèle, etc. Y a-t-il des fleurs dans ton environnement? Est-ce qu'on peut sortir ou c'est vraiment… Je pose la question. Je sais qu'il y en a des fois que c'est le fun d'aller comme dans le bois. Tu fais pas ça? Tu fais ça? Oui, ça, je connais pas. Je connais pas, tu sais. Oui, l'été, on va faire des sorties d'identification. Donc, chez moi, j'ai un jardin-école à Saint-Sauveur. On va faire de l'identification des plantes médicinales qu'on cultive dans le jardin. Mais on va aussi aller dans un champ qui est tout près, dans la forêt, pour voir une variété aussi de plantes médicinales sauvages.
Parce que c'est ça, des fois, c'est le fun aussi de physiquement hein, voir puis la richesse qu'on a dans les forêts puis dans les champs, c'est assez incroyable. Hein, quand on est en contact avec ça, je trouve ça super le fun. Puis c'est quand est-ce là-dedans que tu t'es senti vraiment sur ton X de dire « Oui, c'est ça que je veux faire absolument. » Ben en fait, c'est dès le moment où je me suis soignée l'urticaire avec les plantes, vu que ça faisait des semaines que j'étais malade. Quand j'ai vu qu'en 3 jours, j'étais guérie, ça a été vraiment la lumière. Là. C'est comme ce que je voulais faire. C'est sûr que mon père étant médecin, ma mère était infirmière. On a toujours été dans le domaine de la santé. C'est toujours quelque chose qui m'intéressait, mais moi, c'est le côté médicament qui m'appelait moins. Donc, c'est comme si ça venait réunir cette passion-là pour la santé, mais avec quelque chose de naturel. Mais c'est quand même cute, tu sais. Médecin, infirmière, herboriste, c'est sûr que ça dure, mais c'est dans la même chose, tu sais. Indirectement, là, on est dans le même secteur, la santé, tu sais. Fait que je trouve ça super le fun. Puis moi, j'ai été surprise quand je l'ai annoncé à mon père. J'avais un peu peur. mais finalement, il m'a répondu « Wow, c'est la médecine de l'avenir! » Oh, non, mais il est fin! Il est fin! Oui, puis en plus, parce que l'herboristerie, oui, c'est la médecine de l'avenir, mais c'est aussi la première médecine ben de l'humanité. Bon, je trouvais ça cute comme, oui. comme félicitation. Appa, je vais te conter l'histoire de l'herboristerie. Je vais te conter l'histoire... Non, mais c'est ça pareil, hein? Tu sais, quand on le sait pas, là... d'où ça vient les médicaments, les molécules au départ, tu sais. Fait que c'est ça. Je trouve ça cute pareil, là. Puis dis-moi donc, en quelque part, pour les auditeurs, si on prendrait une couple de minutes puis de parler justement de l'herboristerie, il y a quand même beaucoup de monde qui ne connaissent pas ça. Quand on le parle, oh oui, tu sais, parce qu'oublie pas, tu as herboristerie, phytothérapie, puis je pense que l'herbo-phytothérapie va pas mal tout ensemble tant qu'à moi, mais j'imagine que tu vas me compter ça. Puis aussi, beaucoup de monde pense que c'est absolument des tisanes, tu sais. Fait que, parle-moi-en. Non, mais c'est ça. Tu sais, on imagine des cataplasmes, des tisanes. Il y a beaucoup de monde qui sont de même, hein? Fait que, je veux savoir, toi, tu sais, tu nous parles un petit peu, développe un petit peu sur l'herboristerie. C'est quoi l'herboristerie? Mais c'est ça. Déjà, nous, on fait la distinction entre herboriste et phytothérapeute, dans le sens que le phytothérapeute va étudier les plantes de façon théorique. Ouais. Il va être capable de les recommander. Mais pour nous, l'herboristerie, c'est de la graine à la transformation. Mm-hmm. Donc, l'herboriste va cultiver ses plantes ou il va les cueillir sauvages. Il va les transformer lui-même. Il va les recommander comme le phytothérapeute, bien sûr, mais ça va être ses propres produits. Donc, c'est pour ça que je dis de la graine à la transformation. Donc, c'est vraiment un point important pour nous. Et puis, à Santé Canada, on s'est assuré que le mot herboriste reste justement dans la liste des professionnels de la santé. Ben oui. Grâce à l'Association pour les plantes médicinales au Québec, qui est la Guilde des herboristes. Ouais. Donc, c'est une association qui regroupe des herboristes, bien sûr, mais tous les amoureux des plantes médicinales, on n'est pas obligé d'être herboriste. L'idée, c'est de vouloir encourager l'herboristerie. Et puis, grâce à la Guilde des herboristes, on est capable d'aller défendre justement nos points comme ça pour faire reconnaître l'herboristerie, qui est en fait la médecine par les plantes. Souvent, on va dire, ah, oh, c'est une médecine douce, c'est une médecine alternative. Mm-hmm. C'est une médecine douce, oui, mais c'est une médecine qui peut être très forte aussi. Ah ouais. C'est pas nécessairement une médecine alternative dans le sens que ça peut être la première médecine qu'on choisit. C'est vraiment une médecine au même titre que toutes les autres. Ben ouais. Et puis, c'est une médecine, idéalement, hein, qu'on va utiliser de façon holistique versus allopathique. C'est ça. On ne veut pas traiter un symptôme, une plante. On veut traiter une personne. Ouais. Donc, on parle à ce moment-là de traitements qui sont vraiment individualisés. Donc, on peut avoir 10 personnes qui arrivent avec la même pathologie, mais qui peuvent ressortir avec des traitements différents. Parce que ces personnes-là sont différentes. L'état des tissus, par exemple, est différent. Donc, c'est pour ça que c'est important, quand on est être humain, on va parler des animaux tantôt, mais pour les êtres humains, de consulter un herboriste-thérapeute pour avoir un bon traitement, un bon suivi, s'assurer qu'il n'y a pas de danger d'interaction négative avec les médicaments, par exemple. Mais on obtient vraiment des bons résultats. Il faut être autonome, il faut être sérieux. C'est sûr que les plantes, c'est pas j'en prends un peu pendant 3 jours, j'arrête 5 jours, je recommence 2 jours. Il faut vraiment être assidu. Puis tu me parlais des tisanes. C'est sûr qu'on a les infusions qui sont géniales parce que la guérison commence dès qu'on met dans la bouche avec les saveurs, on active les enzymes. Mais il y a aussi des transformations dans l'alcool, qu'on appelle les teintures, dans le vinaigre, dans la glycérine, dans l'huile. Puis dans les cours, justement, de fabrication de produits, on enseigne tout ça pour
justement choisir les bons solvants pour extraire les principes actifs des plantes, puis après ça, aller chercher des textures pour un usage interne ou externe qui va répondre à nos besoins. Puis tu sais, tu as parlé de la guilde des herboristes, puis je trouve ça super important parce que c'est comme « wow ». Si on prend des cours à ton école, on peut devenir herboriste, diplômé, puis on fait partie de la guilde? En fait, n'importe qui peut faire partie de la guilde. Vous pouvez faire partie de la guilde en tant qu'herboriste, en tant qu'étudiant ou en tant qu'ami de l'herboristerie. Oh. OK. Mais ce que je veux savoir, c'est à ton école, je peux être diplômé puis devenir herboriste? Nous, on a différentes formations. Wow. On a entre autres une formation herboriste familiale qui, oui, va dans son. On va émettre un diplôme là, pour herboriste pour des gens qui veulent conseiller au niveau des plantes. On a une formation aussi sur les animaux. On en reparlera tantôt. Oh. Et puis, on a une formation aussi pour les fabricants, les herboristes fabricants qui veulent apprendre non seulement à fabriquer tous les produits thérapeutiques, incluant les teintures, les onguents, les sirops, mais aussi tous les produits cosmétiques, les crèmes, les savons, etc. OK. Fait que ça peut être quelqu'un qui veut prendre juste quelques cours comme quelqu'un qui veut aller plus loin, là. On offre les deux, en fait. On offre des cours à la carte. OK. À ce moment-là, la personne a accès à son cours en ligne et puis elle a 180 jours pour le faire, mais elle peut le télécharger et avoir accès tout le temps. Il n'y a pas d'évaluation, c'est vraiment des cours libres. Okay. Et puis, il y a ce qu'on a appelé les parcours. Donc, c'est des formations complètes où on regroupe plusieurs cours à ce moment-là dans le but d'obtenir justement le diplôme. C'est combien d'heures pour avoir un diplôme? Ça dépend vraiment des formations. OK. On peut tourner autour de, en moyenne, là, ouais. 300 heures pour les formations que nous, on offre. Mais c'est sûr qu'il y a des écoles qui vont former des herboristes thérapeutes avec des heures cliniques plus avancées, ouais. Où là, on peut approcher les 1000 heures et plus. Oh, oui. OK, bien, c'est intéressant. Puis justement, tiens, Marie-Christine, tout comme moi, tu fais partie de l'expérience Natura. Pour les auditeurs, oui. L'expérience Natura, c'est un super concept unique regroupant un ensemble de formations en ligne portant toutes sur la santé naturelle. Puis pour les auditeurs, laissez-moi juste, on jase un peu, là. L'expérience Natura, c'est 19 formations en ligne préenregistrées à un super prix. Puis je n'en dis pas plus, vous verrez de toute façon avec le lien que je vais mettre dans le podcast, portant sur la santé au naturel. Donné par des formateurs reconnus, réunis ensemble pour la première fois. Je suis crampée parce que toi et moi, c'est la première fois. Je ne te connaissais pas, fait que je trouve ça cute qu'on est réunis. Ils viendront vous enseigner sur de nouveaux sujets, puis de nombreux sujets, naturopathie, aromathérapie, herboristerie, entre autres, comme toi. Mais toi, Marie-Christine, dans l'expérience Natura, c'est quoi tu vas nous offrir? Nous, on offre le cours d'herboristerie pour les chiens et les chats. Oui, c'est ça. Donc, tantôt, tu as dit, je trouve ça cool. L'herboristerie animale. Puis, on peut s'attendre à quoi? La durée? Comment que ça fonctionne? C'est-tu compliqué? Tu sais? En fait, on a un document PDF qui a été écrit par moi-même et par une collègue, Anouk, qui à l'époque était étudiante en médecine vétérinaire et qui aujourd'hui est vétérinaire. Et puis, dans le fond, on passe à travers tous les systèmes. On va voir l'anatomie du système tégumentaire, l'anatomie du système circulatoire, système respiratoire, etc. Et puis, on passe en revue les pathologies les plus fréquentes chez les chiens et les chats et des suggestions de traitement, dans le fond, des intentions avec les plantes, comment aider, soutenir, guider nos animaux dans la guérison. Okay, donc, c'est ça qu'on va parler. Marie-Christine, on a un petit peu de misère, mais l'entrevue a été parfaite. Vous avez entendu qu'elle a parlé aussi de l'offre qu'elle fait. La seule chose que je peux vous dire, c'est que le seul hic, sachez que l'expérience Natura va être en vente uniquement du 7 au 31 octobre 2021 seulement, puis que vous avez un an pour suivre les formations, donc totalement à votre rythme. Ces formations sont offertes à tous. Parlez-moi quand même un peu d'une offre comme ça. Je trouve ça dommage que ça l'a comme coupé, mais c'est correct. On a eu le temps d'avoir l'entrevue, on a eu le temps de savoir ce qu'elle offrait avec l'expérience Natura. Merci d'être venu échanger avec nous aujourd'hui. Ça fut très intéressant d'en apprendre un peu plus sur Marie-Christine. Puis, je vous dis à la prochaine, parce que vraiment, ça fut une belle émission. J'espère que vous avez apprécié l'entrevue, même si on a eu une petite coupure, là. C'est ça la vie des podcasts. Merci de nous avoir écoutés. Soyez des nôtres tous les mardis à compter de 9h30 pour des entrevues avec un invité différent qui saura vous plaire.
Si vous aimez le podcast, abonnez-vous pour être informé et partagez en grand nombre.